monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur Blanche-Neige. Je ne sais pas si ce sera bien fait ou si ça va vous plaire. Je fais de mon mieux, je ne sais pas encore comment monter ce genre de vidéo. Mais voilà, donc du coup, on se retrouve avec l'épisode 2 de Blanche-Neige. Dans cet épisode, on va faire en sorte que Timide atteigne le niveau 4 dans 2 compétences. Et aussi le deuxième accouchement de Blanche-Neige. Donc voilà, là la famille s'occupe tranquillement. Donc voilà, on a fait en sorte que Timide atteigne le niveau 4. Ensuite, notre cher Dan devient distant et tendu à l'idée d'être toujours avec Blanche-Neige. En gros, du coup, son trait de caractère est réticent à s'engager. Il va donc céder à la tentation parce que Dina l'a appelé plusieurs fois. Il va la retrouver et va finir par tromper Blanche-Neige alors qu'elle est clairement en train de dormir paisiblement. Il a fait en sorte de partir sans faire de bruit. Il rentre tranquillement et dort dans le lit comme si de rien n'était. Et surtout, il va la voir plusieurs fois. Mais du coup, vous vous dites bien que Blanche-Neige va quand même se douter de quelque chose. Donc là, on les voit au bar de l'amour, je crois. Clairement en train de faire leurs petites affaires dans le placard devant tout le monde. Voilà quoi, comment vous dire, Dan a craqué et puis voilà, il est réticent à s'engager, donc il lui fallait un peu de nouveauté, le pauvre. Enfin le pauvre, vous m'avez comprise. Et donc comme d'habitude, il va rentrer tranquillement et là il va faire ses petites affaires, se doucher, etc. Et du coup Blanche-Neige, elle est tranquillement chez elle, en train de regarder la télé, mais il va surtout s'occuper de sa fille étant donné qu'elle est dans un état pas catastrophique mais proche. Donc elle va faire en sorte d'augmenter son attention, son énergie et sa vessie. Donc là on voit qu'elle est actuellement du coup avec un gros bidon et qu'elle est en train d'apprendre à Timide à aller sur le pot. Mais clairement le travail commence, donc elle finit de s'occuper de sa fille, de la mettre au lit. Et ensuite, direction l'hôpital mes amis. Voilà, elle a mis la petite couchée et maintenant elle est à l'hôpital pour accoucher de son deuxième enfant. A voir si ça va être un garçon ou une fille, ça c'est un garçon. Et du coup on va l'appeler Grincheux. Blanche-Neige rentre et du coup on fait un petit réaménagement de la maison à l'étage pour les chambres des enfants. Parce que clairement il n'y a aucune chambre. Et je pense que ça peut être nécessaire étant donné que le petit dernier vient d'arriver et risque de réveiller souvent la petite qui elle du coup quand elle dort forcément il ne faut pas trop l'embêter. Donc là petit réaménagement de l'étage. Thank you.
Le soir de l'accouchement, Blanche-Neige a clairement vu que Dan était sorti et du coup, elle a décidé de le suivre parce que clairement, elle commence vraiment à avoir des doutes. Et ben du coup, elle va découvrir la vérité que Dan est forcément avec une autre femme et du coup, ben voilà quoi, vous comprenez la suite. Elle va donc rompre avec lui, lui foutre quelques petites baffes. Et clairement, c'est pas cool de sa part. Il aurait pas dû faire ça. Surtout que du coup, maintenant, elle a deux enfants en bas âge. Mais ce n'est pas grave, elle va forcément retrouver quelqu'un. Et puis, de toute façon, nous n'avons pas trop le choix pour le challenge, étant donné qu'elle doit en avoir 7. Donc, elle rompt sur le champ avec lui. Et du coup, le met dehors. Il ne fait plus partie de la famille. Donc j'espère que ce petit challenge let's play vous plaît. J'espère que j'arrive à faire correctement le montage, etc. Faut que je m'améliore, mais bon voilà. Donc je vous retrouve très vite dans un prochain live, une prochaine vidéo. Bye bye.